Les conseils à présent d'un mentaliste pour se souvenir de tout. C'est peut-être utile aux futurs candidats du bac et à nous tous. Bonjour Fabien Olucard, merci d'être avec nous. Vous êtes suivi par plus de 500 000 personnes sur YouTube et vous nous guidez avec un livre très ludique pour exploiter au maximum toutes les ressources de notre cerveau. Par exemple, pour retenir 25 mots ou chiffres, ça peut nous paraître compliqué pour vous, pas du tout. Vous dégainez une table de rappel. Ça donne quoi? C'est quoi la table de rappel? La table de rappel, en fait, on va essayer de retenir des choses qui sont abstraites. Pour nous, les chiffres, ça ne veut rien dire. Oui. C'est une représentation volontaire de quantité. Mais par contre, si on transforme ces chiffres en images, là, les images, c'est dans notre mémoire sémantique et épisodique. Donc, on les a déjà en tête et on va faire une correspondance. C'est-à-dire que quand je vais dire 1, je vais penser à sapin immédiatement. On va créer cette connexion. Et de là, j'aurais juste à associer des choses à des images qui existent déjà dans ma tête. Grosso modo, c'est ça. C'est ce que vous faites par exemple pour les numéros de téléphone. Vous n'avez pas de mal à retenir un numéro de téléphone. Exactement, parce que pour moi, c'est une série de 5 images différentes. Pour la table de 9, vous avez plein de petites astuces dans le livre. En fait, ce n'est pas la peine de l'apprendre, alors je vais le dire aux enfants, mais il suffit de se servir de ses doigts. Oui, bah déjà parce qu'on ne peut compter que sur soi-même, c'est bien connu. Mais effectivement, on a 10 doigts. Alors si je veux faire 9 fois 2, par exemple, moi j'imagine que mes doigts, ils sont numérotés dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Donc je vais plier le deuxième doigt et là d'un côté j'ai 1, ça va être ma dizaine, de l'autre côté il me reste 8 doigts debout, c'est mes unités, ça fait 18. Effectivement, vu comme ça c'est beaucoup plus facile. Vous avez, vous, depuis tout petit une mémoire exceptionnelle, dite photographique, mais vous l'avez travaillée et vous dites que ce qu'il faudrait finalement pour nos enfants c'est des cours de mémoire à l'école. Ça pourrait prendre quelle forme et pourquoi? Déjà, ce serait formidable. Moi, j'ai une bonne mémoire, pas forcément exceptionnelle, mais j'ai une bonne mémoire. C'est pour ça que j'ai eu envie de la travailler. Et on pourrait faire une heure de cours de mémoire en primaire, par exemple, pour apprendre à apprendre. Le vrai problème, il est là, c'est est-ce qu'on apprend à apprendre des choses? Est-ce qu'on apprend à comprendre? Non, on le fait pas. Alors qu'il y a très longtemps, il y a quelques siècles de ça, on le faisait encore parce qu'on n'avait pas le choix, on pouvait pas noter comme aujourd'hui. Donc, on pourrait apprendre des astuces comme la table de rappel dont je parlais, comme le mind map qui vient un petit peu à la mode. Les cartes mentales, en fait, en français. Toutes ces choses-là, toutes ces astuces que moi j'explique dans le livre, on pourrait très bien les apprendre à l'école facilement. Je ne les ai pas sorties de mon chapeau, elles existent depuis toujours. Il faudrait juste les remettre un petit peu en avant. Et les appliquer avec les enfants dès le premier âge. Des petites astuces aussi pour l'Arctique, l'Antarctique. On ne sait jamais trop comment les placer. J'ai un moyen mnémotechnique. D'un point de vue plus global, la mnémotechnique, ça nous permet de tout retenir, en fait. Ça nous permet de rationaliser, encore une fois, de comprendre. Et l'Antarctique, par rapport à l'Arctique, il a plus de lettres. Comme il a plus de lettres, il est dans l'eau, il coule, parce qu'il est plus lourd. Et comme il coule, il est au sud, il est en bas. Et l'Arctique est en haut. Et c'est aussi simple que ça. Tout devient simple avec votre livre, Fabien Olucard. Son titre, c'est « Votre cerveau est extraordinaire ». Et puis, vous êtes aussi sur scène avec une tournée qui se termine en ce moment. Merci beaucoup. Merci à vous.